Ok, chérie. Comment tu rentres aussitôt avec un si mauvais visage? J'ai passé une journée horrible. J'ai perdu tous mes collègues de service aujourd'hui. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Le patron avait décidé d'amener tous les employés d'Ino au restaurant. De là, un immeuble s'est écroulé sur eux, ils sont tous décédés. Quoi? Oh mon Dieu! Je remercie le Seigneur que tu sois vivant. Mais chérie, comment as-tu fait pour survivre? Chérie, c'est l'œuvre de Dieu. J'ai eu mal au ventre, je suis allé aux toilettes pendant que les autres s'avançaient. Merci Seigneur. Le plus important, c'est que tu sois vivant. Qu'est-ce qui nous serait arrivé si tu étais décédé? J'ai beaucoup de pitié pour leur famille. Comment vont-ils faire pour survivre? Ça fait pitié. Mais l'État camerounais a décidé de donner à chaque famille éprouvée une somme de 200 millions de francs CFA plus une villa. 200 millions de francs CFA ou 200 000 chéris? 200 millions de francs CFA. Attends. 200 millions de francs CFA. Et toi, tu chiais pendant que tes collègues assuraient les arrêts de leurs femmes et enfants. Je savais que tu ne m'as jamais aimé. Tu nous fais rater une occasion en or de devenir millionnaire. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ouais. Où tu étais là, économiquement, pour venir te trouver là-bas. Je suis très déçue. Un petit chien comme ça qui nous fait rater l'occasion de devenir millionnaire. Seigneur. Pourquoi à chaque fois quand Dieu veut nous bénir, tu es absent? Tu passes ton temps à chier, 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 à chier. Marie inconsciente. Pourquoi tu aimes chier comme ça? Pourquoi tu aimes chier comme ça? Tu veux seulement nous laisser dans le taudis ici? J'avais fait quoi à Dieu? Au lieu de te sacrifier pour que je devienne veuve heureuse, tu as préféré.